Frog, please don't do this to me. I love him. Bonsoir d'abord Sylvie, vous êtes une des chevilles ouvrières du café de Bourou et vous organisez ce soir une soirée hors les murs à Villamblard dans la toute nouvelle salle culturelle, ou je ne sais pas s'ils appellent ça le centre culturel. C'est magnifique, c'est toujours trop grand, mais ça permet de passer des films correctement. Et à côté de vous, il y a donc Bénédicte Michalon, qui est prof à la fac à Bordeaux. Oui, je suis chargée de recherche au CNRS, voilà. À Bordeaux. Et qui est là pour la soirée sur les migrants. Voilà. Donc, on va commencer par Sylvie. Pourquoi cette soirée hors le café ? Bah parce que le café, c'est un espace un petit peu trop petit, trop étroit pour diffuser des films. On l'a déjà fait. Mais là, on voulait en sortir pour essayer de toucher un public différent aussi. Sortir un peu de l'entre-soi du café, parfois. Voilà. C'est notre troisième soirée migrant. Et là, on avait on sentait la nécessité de sortir. Voilà. Et oui, nous, on a raté la première où on voulait venir, mais on n'a pas pu. Et surtout, comment vous avez fait la com pour faire venir des gens ici à Villamblard? On a fait voie d'affichage, Facebook, Internet, ouais, comme d'habitude. Et il y aura des gens de Bourou qui vont venir ou bien... J'espère qu'ils seront tous là, j'espère. C'est un coup d'essai, on verra, hein. On verra bien. J'ai pas demandé si l'entrée était payante. L'entrée est payante. Ben nous on est rentrés, on n'a pas payé, hein. Il faut qu'on aille payer. C'est le cadre de Cinépassion, donc c'est un partenariat avec eux et c'est 6 euros, comme d'habitude. D'ailleurs, une des raisons de venir ici, c'est de bénéficier du matériel de Cinépassion. On les a tannés et ils nous ont passé le film, donc on est très contents. Bon, très bien. Ah oui, ils fournissent la copie en plus. Oui, d'accord. Ah oui. Bon, oui. Très bien. Voilà. Et on espère qu'il y aura du monde et de toute façon, on va... Restez là pour le débat et voir un peu comment ça va se passer. Donc, Bénédicte, du CNRS, vous travaillez sur les migrants. Oui, en fait, je travaille plus particulièrement sur l'enfermement des étrangers, qui est un phénomène qui s'est beaucoup accentué ces 15 dernières années et dont le film parle un petit peu. Voilà. Voilà, donc c'est... Alors, pas seulement, mais c'est un des aspects qui apparaît. Puisque le film est plus largement sur les obstacles aux migrations et la manière dont les migrants essayent de continuer leur trajectoire malgré ces obstacles. Voilà, et donc parmi ces obstacles, il y a les camps, les lieux d'enfermement pour les étrangers. Voilà. Et vous avez déjà vu ce film ? Oui, je l'ai déjà vu, j'ai déjà fait un débat à l'Utopia avec la réalisatrice, dans le cadre des AOC de l'égalité. Mais Nathalie Loubert, c'est pas quelqu'un qui est du coin ? Si. C'est elle qui avait tenté de lancer un cinéma pour les Anglais à Bergerac, il me semble. En tout cas, elle est du coin. Voilà, oui. Elle habite toujours à Paris, elle a l'intention des liens de se avec Bergerac. Voilà. Oui. Et avec mon point. Il y a quelques années, elle avait essayé de monter un truc en espérant attirer les Anglais qui résident autour de Bergerac. Voir des films anglais, mais ça n'a pas marché, je crois. Mais c'est ça, ce nom disait quelque chose. Et vous avez... vous faites aussi du travail de terrain Oui. Ben, jusqu'à présent, je travaillais en Roumanie. Donc, je menais mes enquêtes en Roumanie. Et là, j'ai commencé à enquêter dans la région, Aquitaine. À la fois sur l'accueil des étrangers en milieu rural. Et donc, la Dordogne m'intéresse particulièrement. Et puis aussi sur quelque chose qui n'est pas très connu, mais qui est en plein essor, qui est l'assignation à résidence des étrangers en attente de leur expulsion, en règle générale.
Voilà, et donc ça c'est un phénomène qui est en train d'exploser, et donc j'ai commencé à travailler là-dessus aussi. Vous avez rencontré certains des migrants qui étaient l'année dernière à Mozac ici dans Non, 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 parce qu'en fait je commence tout juste et des CAO il y en a quand même beaucoup. Ouais. Donc je suis allée à Saint-Étienne de Baïgorry, mais je suis pas allée à Mozac. C'est au Pays Basque. Voilà. Oui, c'était au Pays Basque. Ouais, voilà. Et là-bas il y a. Ben, l'année dernière, en 2015-2016, il y a eu un CAO. Ouais. C'est pas là qu'il y a eu ce village où tous les habitants sont mobilisés, non, pas du tout. Je crois que ça s'est bien passé, oui, s'il y a eu une mobilisation assez forte. Il y a un maire intelligent. Oui, oui, je crois que ça s'est plutôt bien passé, voilà, d'après les échos que j'ai eus. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup, j'espère merci que la soirée se passera bien. Et à tout à l'heure. Bonsoir à tous. Ben, bienvenue ce soir, merci d'être là. Un sujet pas forcément très très facile, mais d'actualité. On s'excuse auprès des quelques personnes qui pensaient venir voir La Land ce soir. Ce sera une autre histoire, mais vous verrez, ce sera très intéressant. Voilà, donc nous, une petite présentation quand même, parce que c'est une première pour nous. Donc on est plusieurs adhérents et militants du Café Libre. Donc un café associatif qui est sur Bourou, donc juste à côté. Et on a décidé de faire un café hors les murs, donc de venir vous voir ici à Ville-en-Blard. Bon, c'était l'occasion aussi parce qu'on avait ce documentaire à passer. Et donc j'en profite pour remercier Cinépassion qui nous offre la possibilité de projeter ce film dans de très bonnes conditions. Ça c'est toujours intéressant et c'est un vrai luxe de les avoir en milieu rural. Donc un grand merci à eux. Et donc voilà, le café, bah, écoutez, juste en deux mots, il y en a pas mal qui connaissent, hein, mais on vous invite à vous rapprocher si vous ne connaissez pas et à venir régulièrement. Voilà, on est ouvert les lundis soirs, les vendredis soirs, et puis régulièrement, en fait, on fait des activités, il y a des concerts, du théâtre, voilà, des ciné-débats comme ce soir, des conférences, voilà. Il y a pas mal de choses. Si ça vous intéresse, on est sur Facebook. Donc ce soir, c'est une soirée qu'on appelle nos migrants. Donc c'est notre troisième soirée, en fait, ou journée. On a commencé ce cycle-là l'été dernier, en fait. Et donc on va essayer de s'y tenir régulièrement, de travailler autour du sujet. Dans un premier temps, essentiellement, faire un peu de pédagogie, essayer de comprendre les enjeux, parce que quand on comprend bien la problématique, c'est plus facile après d'agir. Donc c'est aussi pour vous apporter de l'information. Mais on ira sans doute au-delà un peu plus tard. Écoutez, effectivement, on me fait signe, pensez à couper vos portables, s'il vous plaît. Je vais passer la parole à Sylvie Poirier, qui est très active au sein du café, et notamment sur cette question. C'est elle qui va vous présenter la soirée. Je n'ai pas pris mes notes, donc ça commence mal. Bonsoir, alors il y en a plein que je connais là. Bon, j'aurais aimé en voir plus que je ne connaissais pas, mais bon, tant pis. C'est un coup d'essai, là. Alors, le film ce soir, c'est un documentaire de Nathalie Loupéard, qui est originaire d'ailleurs de Dordogne. C'est son troisième documentaire sur la problématique des migrants. Elle a fait un premier film en 2008 qui s'appelait Nos Communs et qui était sur la jungle de Calais. Ensuite, elle a fait un deuxième film qui s'appelait, je ne sais plus. Mais elle était partie en Méditerranée dans un bateau de sauvetage. À contre-courant, ça s'appelait. À contre-courant. Et ça, c'est son troisième documentaire qu'elle a tourné il y a 4 ans, mais qui est, on ne peut plus, enfin, qui est complètement actuel, quoi. Parce que depuis 4 ans, la situation a empiré. Voilà. Bonsoir et merci pour l'invitation. Parce que, en tant que chercheuse, j'aime bien participer à des débats. Voilà, en dehors de la sphère académique, hein, parce que si on est dans le petit milieu, c'est pas toujours très enrichissant. Et donc moi, je suis géographe de formation, je travaille au CNRS dans un laboratoire qui est pluridisciplinaire, mais quand même à demi-monde de géographe assez sage. Et je travaille sur les migrations depuis ma thèse, et en fait, depuis 2009, je travaille sur la question de l'enfermement des étrangers.
dans les centres de rétention et dans d'autres types de lieux. Et j'ai jusqu'à présent mené ce travail en Roumanie, qui est un pays d'immigration assez peu connu, hein, parce qu'on connaît beaucoup les migrations des Roumains vers l'étranger, mais on sait assez peu que la Roumanie est aussi un pays d'arrivée. Donc ça m'intéressait de voir comment un pays d'arrivée assez récent met en place tous ces dispositifs de contrôle qui ont été en gros plus ou moins imposés par l'Union européenne. Et le film là de ce soir est intéressant parce qu'il se passe pour bonne partie dans les pays d'immigration récents, tels que la Croatie, et sur lesquels on a assez peu d'informations et sur lesquels on ne sait pas très bien. Ce sont aussi des questions récentes et dans lesquelles, ce sont des pays dans lesquels les autorités, les institutions découvrent aussi les questions migratoires. Voilà, et donc aujourd'hui, je commence un nouveau travail. Le premier porte sur un dispositif qui n'est encore pas très connu, mais qui est en train de se développer, qui est celui de l'assignation à résidence des étrangers. Et puis, avec des collègues de Poitiers, on commence une nouvelle recherche sur l'immigration en milieu rural, avec un volet sur l'accueil des demandeurs d'asile. Et a priori, la Dordogne ferait partie des espaces sur lesquels on travaillera. Donc voilà, je suis aussi preneuse de contact et d'informations. Pour ce travail qui commence tout juste, mais qu'on va mener dans les années qui viennent. Voilà. Donc tout à l'heure, mon intervention, ça visera plutôt à contextualiser ce qu'on voit dans le film, hein, pas à faire une discussion du film lui-même, mais plus à apporter des éléments d'éclairage un petit peu généraux pour expliquer, voilà, recontextualiser ce qu'on voit dans le film. Voilà. Merci. Donc voilà, moi j'ai préparé quelques éléments qui en gros permettent de contextualiser certains aspects du film, hein, qui je trouve très parlant sur, voilà, sur la difficulté des migrations aujourd'hui, sur ce que les migrants doivent faire pour arriver à migrer. Et la première chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est quelque chose qui est évoqué par une des personnes, c'est les questions de terminologie, de qui on parle en fait, de migrants, de réfugiés, de demandeurs d'asile. Puisque voilà, dans les débats sur l'immigration, ces termes sont souvent employés, parfois pas très bien. Alors de qui parle-t-on quand on parle de migrants en fait, dans le milieu académique? Ça désigne tout simplement quelqu'un qui ne vit pas l'endroit où il est né. Il n'y a pas de connotation ni positive ni négative, c'est un terme très descriptif. Et donc l'émigrant, c'est cette personne qui, lorsqu'on la considère depuis son pays d'origine, du pays où elle est partie, et l'immigrant, c'est la même personne que l'on considère depuis le pays d'arrivée. Donc en fait, ce sont les mêmes personnes qu'on peut désigner avec l'un ou l'autre terme. Mais je précisais ça parce qu'aujourd'hui, dans les débats sur l'immigration, le terme de migrant est souvent... accolé au terme à l'adjectif d'économique, on parle souvent de migrant économique en fait, donc il y a un glissement sémantique là-dessus, et aujourd'hui on a de plus en plus tendance à parler de migrants pour désigner les migrants économiques. Voilà. Avec évidemment l'idée qu'ils ne seraient pas forcément légitimes, puisque leur migration serait liée à une volonté d'améliorer leurs conditions de vie. Voilà, donc je précise ça parce que dans le milieu scientifique, quand on parle de migrants, il n'y a pas du tout cette idée de dimension économique avec. Enfin, c'est pas systématique. L'autre terme qui me paraît important à retenir là, par rapport à ce qu'on a vu, c'est celui de réfugié, puisque donc il y a une définition juridique du réfugié qui a été fixée par les Nations Unies en 1951. Et qui donc définit le demandeur d'asile ou le réfugié par des conditions voilà, politiques ou ethniques ou religieuses ou de race. Et là-dessus, ce qui est important à souligner, c'est que en fait, il faut rappeler que cette définition, elle a été élaborée en 1951 dans le cadre de la guerre froide, de l'affrontement Est-Ouest. Et en fait, cette définition très politique du réfugié, en fait, a été retenue pour pouvoir offrir une protection aux dissidents des régimes communistes. Et c'est la raison pour laquelle des critères de type économique, par exemple, n'en ont pas été retenus. C'était qu'il fallait pouvoir offrir une protection avant tout aux dissidents des régimes communistes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des problèmes de type économique, comme la misère, ne sont pas considérés comme des motifs légitimes pour demander une protection, alors que si on avait élaboré une autre définition de l'asile et du demandeur d'asile, eh bien, les critères économiques pourraient
semblait légitime. Voilà, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur cette définition du réfugié qui met en avant certains types de facteurs et qui, du coup, rend les autres illégitimes. Et donc aujourd'hui, quand on est dans cette discussion sur l'opposition entre migrants économiques et réfugiés, eh ben, on voit qu'on est dans une construction voilà, avec certains motifs de migration qui sont rendus plus légitimes que d'autres et les arguments économiques étant délégitimés. Ça empêche tout, enfin, je veux dire, ça gomme toute proximité avec les personnes. Ça enferme dans des définitions, on cherche sans arrêt des définitions, et on les appelle comment est-ce qu'ils sont légitimes et légitimes, et on n'a plus accès aux personnes. Voilà, donc ça c'est exactement, c'était un des aspects que je voulais souligner. Mais non, mais vous faites très bien de le dire, parce que ce que je voulais dire en plus, c'est que ces définitions, en fait, elles ne correspondent pas à des catégories de personnes, elles correspondent à des moments, à des étapes de la migration, puisque une même personne, en fonction de ses étapes de vie ou de ses étapes de la migration, pourra être étudiant, pourra être migrant économique ou pourra être demandeur d'asile. Si on prend le cas d'un Afghan, par exemple, qui quitte l'Afghanistan pour venir en Europe, on peut se retrouver, comme on l'a vu là dans le film, coincé en Grèce, et pour survivre, gagner sa vie, travailler dans des champs. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il est ? Bon, il est migrant économique, il est réfugié, donc il sera peut-être à ce moment-là migrant économique parce qu'on va éventuellement... il aura peut-être un type de séjour il aura peut-être une situation qui permettra de le considérer comme un migrant économique, et puis s'il finit son parcours migratoire et qu'il arrive en Suède et qu'il obtient une protection, il sera réfugié. Voilà, donc ça c'est un problème, c'est que ce type de catégorie ne permet pas en fait de suivre les trajectoires dans leur intégralité. Et puis l'autre problème, c'est que évidemment, quand on est dans ce type d'approche, eh bien, ça laisse entendre qu'il y aurait une position politique plus favorable aux réfugiés qu'aux migrants économiques, ce qui est vrai dans un certain sens, mais qui peut gommer le fait que l'Union européenne, dans son ensemble, n'est pas très ouverte aux réfugiés et aux demandeurs d'asile, cependant. Voilà. Donc quand on est dans cette dichotomie, ça pose un certain nombre de problèmes. À partir de là, ce qu'on peut aussi peut-être rappeler par rapport à ce qu'on voit dans le film, c'est que, on peut rappeler aussi quelques éléments sur les grandes tendances géographiques des migrations. Il y a deux choses qu'on peut souligner. La première, c'est que en fait, la proportion de migrants internationaux dans la population mondiale est assez stable, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années, c'est-à-dire que grosso modo, depuis les années 90, on reste autour de 3% de la population mondiale qui est en migration internationale. Alors on a une petite évolution numérique, mais comme la population mondiale augmente elle aussi, finalement on était, d'après les chiffres qui sont disponibles de l'ONU et de l'OCDE, on était à peu près à 2,9% de la population mondiale qui était en migration internationale en 1990, et en 2015, on était à 3,3%. Donc on est sur des proportions qui sont assez stables et assez faibles. Voilà. Et puis là-dessus, ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que, contrairement aussi à une idée qui est souvent véhiculée, la plupart des migrations n'ont pas lieu du sud vers le nord. La plupart des migrations n'ont pas lieu de pays en voie de développement vers les pays riches. En fait, il y a à peu près un tiers des migrations qui se font dans ce sens-là. Et pour les autres, eh bien, elles se font en très grande majorité entre pays qui ont des niveaux de développement semblables, donc soit entre pays du Sud eux-mêmes, soit entre pays du Nord, ou éventuellement pour une petite partie aussi du Sud vers le Nord. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler. Qu'est-ce que vous pensez personnellement et avec votre expérience de chercheur de ce film ? Ben moi, je le trouvais je trouvais qu'il mettait bien le doigt sur tout un tas de phénomènes sur lesquels on travaille en tant que chercheur. Donc à la fois le renforcement des dispositifs de contrôle, la précarité croissante dans laquelle se trouvent de nombreux migrants, les phénomènes d'enfermement qu'on voit bien aussi. Et puis aussi, ce qui est un tout petit peu montré, mais pas beaucoup, c'est aussi éventuellement la difficulté qu'ont les professionnels qui travaillent dans ce champ-là,
Parce qu'on le voit aussi avec le garde-frontière croate qui dit voilà, ce sont des gens qui fuient la guerre, mais nous on fait notre métier. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre quand même beaucoup lorsqu'on interroge des gens qui travaillent, qui sont des policiers et qui travaillent dans ce champ-là. C'est-à-dire que même s'ils sont policiers, ils ne sont pas forcément insensibles à ce qui se passe sous leurs yeux. Voilà, donc moi je trouvais que c'était un film très intéressant pour ça. Il y a aussi la question des morts et des corps et de ce qu'on en fait, sur lesquels certaines personnes travaillent. Voilà, enfin, je trouvais que c'était un film qui était vraiment qui mettait en avant énormément de facettes des migrations voilà, telles qu'elles se produisent aujourd'hui. On ne parle de rien, on ne voit que des hommes. Voilà. On ne voit que de la chair, des êtres vivants et des morts. Et c'est là tout le problème actuel. On n'a pas accès aux personnes parce qu'on est accablé par des explications politiques et des choses. Et ça semble nous dépasser alors que c'est tout. Ce sont des hommes et des femmes et des enfants, voilà. Et donc, il y a plusieurs angles pour envisager ce problème-là. Voilà, il faut l'envisager du point de vue politique, certes, mais quelquefois, ça nous bouche quand on tourne les yeux et ça nous empêche de retourner à des sentiments et des élans beaucoup plus naturels, finalement. Ouais. Mais après, Enfin, voilà, si vous voulez, quand on fait de la recherche sur ce type de sujet, on essaye vraiment aussi de. Enfin, dans les approches sociologiques, on essaye justement d'être au plus près de ce que les gens vivent. Mais c'est toujours pris dans un contexte qui est assez serré, en fait. C'est-à-dire que quand on travaille sur ce type de sujet, on ne peut pas s'extraire des conditions politiques. Moi, je trouve que justement, à la fin du film, je trouve le groupe qui est en train de discuter de la situation du Liban et du Soudan très éclairante. Et je me souviens d'une émission, bon, malheureusement, le réalisateur a disparu, l'émission aussi, ça s'appelait Le Dessous des Cartes. Et le gars, il commençait son discours en disant, tiens, il y a de la famine dans le monde. Et bon, je fais rapide, mais il superpose plusieurs cartes, et la seule carte qui s'accorde, c'est les guerres civiles. C'est-à-dire que quand le gars, il est là, il cultive sa terre, quand les militaires arrivent, il n'a plus de quoi manger. Voilà, et je pense que le problème des migrants qu'on appelle les migrants économiques, il vient beaucoup de là. Les marchands d'armes, ils sont certainement. Non, moi je voulais juste répondre à la dame qui disait qu'on était un peu bouffé par les concepts, les abstractions, ce qu'on nous balançait dans les médias. Ici, dans notre coin, il y a justement, ça vous intéressera, mais il y a deux associations à la Linde. Une qui s'appelle la Linde en transition et la Ciplée, qui sont faites de gens comme vous et moi, bénévoles, et qui, quand ils ont su qu'il y avait 50 gars du Darfour et du Soudan qui étaient, qu'on avait enfermés dans une colonie de vacances au fin fond de la campagne à Mozart, ces gens-là, ils ont voulu aller aider et ils ont fait des choses formidables et ils ont pu les devenir amis avec ces garçons, s'occuper d'eux et faire beaucoup plus d'ailleurs que ce que l'institution et la préfecture avaient mis en place en disant gérer le travail de récit de vie, etc., tout ce qu'il faut faire pour accéder. Donc je veux dire, si on veut vraiment, on peut aussi s'impliquer et rencontrer les gens. Mais là-dessus, ce qu'on peut dire, c'est que justement, une des choses qui n'est pas très bien traitée par les chercheurs, c'est tout l'accompagnement bénévole. Alors, il y a beaucoup de choses sur les associations, mais le bénévolat en tant que tel, c'est quelque chose qui est assez peu connu. Et là, on voit bien, avec ce qui s'est passé autour des CAO en France, que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et que, voilà, la question migratoire, elle ne se comprend pas non plus si on ne prend pas en compte tous les acteurs bénévoles, qui interviennent et qui peuvent faire bouger les lignes, effectivement, et qu'on ne voit pas dans le film, là, pour le coup. Alors qu'il y en a aussi, certainement, dans ces lieux-là. Je pense que ça qui nous choque le plus, à chaque fois qu'on parle des migrations, c'est pourquoi certaines migrations sont possibles, moi je peux aller où je veux, et pourquoi on voit là, on voit tous ces gens, on les empêche de circuler librement. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est vraiment très, très violent dans notre monde aujourd'hui. Certaines personnes ont le droit de déplacer. Les touristes.
Ça s'appelle les touristes. Voilà. On part parce qu'il y a ce qu'on appelle les gens qui vont vivre ailleurs. Vous parliez des migrations dans les pays du Nord. Bon, oui, ils ont des papiers, ils ont des sous. Et... C'est ça que je veux vous dire. C'est ça la différence. Il viendrait avec des personnes d'appeler un touriste migrant. Voilà. Alors que c'est un migrant. C'est un migrant. Mais c'est pour revenir. Et c'est là que je trouve qu'il y a vraiment. C'est pas objectif. Voilà. Et ce film ne montre pas ça. Cette espèce de. Autonomie, encore une fois, est un grand mot, mais enfin, l'invention d'un mode d'exister. Quoi. Mais en fait, ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, c'est une des choses qui explique que le terme de migrant ait été utilisé par les chercheurs pour ne plus parler d'émigrés ou d'immigrés, alors que c'était qu'on parlait comme ça dans les années 70 ou 80, c'était précisément pour mettre l'accent sur le fait que les migrants ont des capacités par eux-mêmes, qu'ils peuvent inventer des choses par eux-mêmes, et que ce n'est pas seulement des gens qui sont dépendants. Dominer. Donc oui, il y a ça aussi dans la migration, il y a aussi l'invention, l'adaptation, les capacités de prendre des initiatives. Et ce film, justement, il ne montre pas ça, et je dirais que c'est presque sa qualité, parce qu'il montre la violence, les deux confrontations. Il y a vraiment les gardes-côtes, le travail de barricade de ce que fait l'Europe, et tu pourras te dire que c'est pire en pire, les frontières, les moyens de se protéger, on a tellement peur de ça, en gros c'est dingue. Et puis on a des migrants, des exilés qui sont là et qu'on a un gros plan, le parti pris du gros plan, je trouve ça assez extraordinaire. On a des gens en face de nous, au lieu d'avoir des migrants floutés comme on peut avoir habituellement. Et puis alors cette scène finale avec ces Soudanais, c'est quand même extraordinaire, quoi, qui parle de leur dictateur qui est quand même recherché par la Cour internationale. Déjà, savoir que ça représente que 3%, moi je suis le premier étonné. Voilà. C'est des choses du coup qu'on peut appeler. C'est des chiffres qu'on a besoin, à mon avis, d'être précisés, parce que si on est passé de 9 à 3,3, qui semble pas très important, l'Europe se ferme, c'est qu'il y a une peur, et la peur, elle va venir, je pense qu'on va avoir l'explication, c'est parce que si on n'a pas changé énormément en pourcentage migratoire sur la planète, il semblerait quand même qu'il y ait une certaine focalisation qui se passe sur l'Europe, et qui crée cette peur. Alors en fait, justement, il n'y a pas de focalisation sur l'Europe, ça c'est un des autres points que je voulais souligner. C'est que, j'ai dit tout à l'heure que la plupart des migrations en fait se font entre zones de développement similaires, ça vient pas du sud vers le nord, hein. Et puis bon, il n'y a pas que l'Europe, il y a évidemment l'Amérique du Nord ou l'Australie, mais disons que cette non-focalisation sur l'Europe, elle se voit encore plus lorsqu'on parle des réfugiés et des demandeurs d'asile, puisque ça vous pourrez chercher sur internet si ça vous intéresse, vous cherchez une carte qui s'appelle l'Arc des réfugiés, qui a été faite par un cartographe. L'arc des réfugiés, et en fait il a donc représenté les principaux pays d'accueil des réfugiés, alors pas au sens de la Convention de Genève, hein, dans un sens plus large, mais cette carte montre bien que les principaux pays d'accueil des réfugiés vont en fait dans un arc qui va grosso modo de l'Asie du Sud-Est jusqu'à l'Afrique centrale, en passant par le sous-continent indien et les pays du Moyen-Orient. Et donc l'Europe est complètement exclue de cet arc-là d'accueil des réfugiés. Et les principaux pays d'accueil des réfugiés sont en fait les pays voisins des pays de départ. Et c'est une toute petite partie des réfugiés qui arrivent jusqu'en Europe. Donc il y a une focalisation vue de l'Europe, mais pas vue d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est... je pense que c'est quand même important de le rappeler, parce que, ici visiblement tout le monde est acquis à la cause, mais c'est pas le cas partout. Il y a quand même beaucoup de gens qui se sentent envahis. Et donc, en réalité, l'Europe n'est pas du tout un espace d'accueil central. Après, un des éléments que moi je peux vous apporter, c'est que l'approche répressive des migrations, elle s'est beaucoup diffusée avec la construction européenne. Puisqu'en fait, l'élargissement européen consécutif, notamment à la chute des régimes communistes, donc cet élargissement, pour ce faire, une des conditions, c'était d'intégrer des nouvelles législations sur l'immigration. Ces législations étaient quasiment uniquement répressives et de contrôle. Et tous les pays qui sont entrés dans l'Union européenne depuis 2004 ont dû mettre en place des instruments de contrôle qu'ils n'avaient pas auparavant.
ça c'est important de le dire, les pays ex-communistes n'avaient pas ces dispositifs de contrôle-là. Et un pays comme la Roumanie ou comme la Croatie, comme on le voit dans le film, les centres de rétention ont été financés par l'Union européenne, ont été créés parce que l'Union européenne le demandait, ont été financés par l'Union européenne, et ce sont des États membres de l'Union européenne qui sont chargés de former les policiers. Donc au niveau de l'Europe, c'est l'Union européenne en tant qu'institution qui a véhiculé ce type de lecture des migrations. Alors pourquoi, ça je ne pourrais pas vous le dire, mais en tous les cas, si en Croatie on voit ce qu'on voit dans le film, c'est parce que l'Union européenne a voulu développer cette approche-là des migrations. Voilà. Et aujourd'hui, ça va au-delà de l'Union européenne, puisqu'il y a un travail très important qui est fait en direction de pays voisins. Moi, j'ai un peu travaillé sur la Moldavie. Qui pourrait penser que la Moldavie est un lieu important en termes de migration? Bon, et ben, c'est là que l'Union européenne a aussi mis de l'argent pour construire des centres de rétention. Idem en Ukraine, idem dans le Caucase. Et puis, une des zones qui attire beaucoup d'attention et, en ce moment, et ben, c'est le Niger. Voilà. Donc, Angela Merkel est allée au Niger pour vérifier que des outils de contrôle migratoire sont bien mis en place. Il y a un centre de rétention qui a été ouvert avec l'aide de l'OIM et du HCR. Et donc, le Niger est une des priorités de l'Union européenne en termes de contrôle des migrations. Voilà. Donc, l'Union européenne, en tant qu'institution européenne, enfin, en tant qu'institution, est quelque chose de moteur dans cette diffusion de voilà, cette lecture policière répressive des migrations. Voilà. Et est-ce que c'est à l'image des États-Unis? C'est bien moins pire parce que aux États-Unis, il y a vraiment une politique d'enfermement qui est encore plus massive. Et puis ce qui affaiblit un petit peu les choses en Europe, c'est que il y a peu de législation commune en fait à tous les États membres. Donc les législations restent très disparates d'un pays à l'autre. Donc il y a des cadres qui sont construits au niveau européen, mais qui sont relativement lâches, relativement larges. Et après, chaque pays a ses législations, et par exemple, si je prends juste le fonctionnement des centres de rétention, donc qui sont les lieux fermés dans lesquels on enferme principalement des personnes que l'État veut expulser, eh bien, la législation sur les centres de rétention est complètement variable d'un pays à l'autre, et ne serait-ce que si on prend le critère de la durée de rétention, il n'y a aucune harmonisation entre les pays membres de l'Union européenne. Et en France, on a la durée la plus faible qui est de 45 jours, et il y a plusieurs pays de l'Union européenne dans lesquels il n'y a pas de durée maximale de rétention, notamment en Grande-Bretagne, où la rétention peut durer pendant des années. Il n'y a pas de limite supérieure. Voilà, donc à la fois il y a un cadre national et il y a un cadre européen et on va dire une tendance lourde, et en même temps, il y a des obstacles parce que les législations nationales ne sont pas harmonisées en fait. Ça fait longtemps que l'Union européenne essaye de faire de la Libye un poste frontière. Et que ça échoue en bonne partie à cause de la situation en Libye. Et donc là, récemment, les négociations ont repris, comme s'il y avait moyen de négocier quelque chose avec quelqu'un en Libye, pour essayer d'installer des centres de rétention en Libye. Mais après, ce qu'on peut dire plus largement là-dessus, c'est que l'outil des lieux d'enfermement est un outil qui s'est vraiment diffusé. Alors, à tel point que maintenant on parle plus seulement d'enfermement, mais on utilise des termes un peu plus génériques comme confinement ou même encampement. C'est un terme que Michel Agy a utilisé justement, qu'il a repris d'une anthropologue britannique. Et en fait, ce qu'on arrive à voir un petit peu quand on travaille sur ces questions, c'est qu'on est dans une espèce de. Dans un continuum de lieux qui sont des lieux de mise à l'écart plus ou moins formalisés. Dans lesquels va s'exercer un contrôle sur les migrants. Et donc, dans ce type de dispositif, on va avoir d'abord des lieux complètement fermés, tels qu'on l'a vu dans le film, là en Grèce, donc des centres de rétention, des zones de transit aux frontières, donc qui sont des lieux de privation de liberté, hein, là, il n'y a pas de discussion là-dessus, dans lesquels on va mettre des gens qui soit sont en attente d'expulsion, soit sont en attente d'une vérification pour leur identité, pour voir si on peut les laisser rentrer, ou éventuellement des demandeurs d'asile, puisque dans certains pays, les demandeurs d'asile sont placés dans des centres fermés. Et puis là, on peut dire aussi que dans certains pays, ce sont les prisons dans lesquelles on place les étrangers en situation irrégulière, parce qu'ils n'ont pas de condamnation pénale. Et en fait, il reste quand même plusieurs pays de l'Union européenne qui placent les étrangers en prison quand il y a un problème sur leur situation migratoire. Donc il y a ce premier type de lieu, là, dans cette idée de confinement, d'encampement.
Après, il y a des lieux qu'on va dire un petit peu semi-ouverts, qui sont le plus souvent des centres pour demandeurs d'asile, et qui sont des lieux dans lesquels il n'y a pas de privation de liberté, mais qui sont quand même des lieux dans lesquels il y aura un contrôle politique et social assez fort sur les migrants. Et puis ensuite, dans ce type de lecture, on met des lieux informels, mais qui sont utilisés par les autorités pour contrôler des personnes. Alors ça peut être en fonction des circonstances, des commissariats de police. En fait, il y a énormément de pays dans lesquels de simples commissariats de police servent à retenir des étrangers. Et puis en fonction des circonstances, tout type de lieux, des bateaux, des parkings, des stades, voilà. Toujours dans ce type de logique d'encampement, on va repérer aussi des dispositifs qui sont moins localisés, mais qui participent de la même dynamique, et qui sont par exemple les assignations à résidence ou les bracelets électroniques, enfin des mesures que l'on dit alternatives à l'enfermement, mais qui en réalité ne semblent pas tellement être des alternatives, mais plutôt des compléments en fait, qui semblent prolonger l'enfermement ou le précéder plutôt que le remplacer. Voilà, et puis pour finir, il y a ce qu'on voit dans le film, c'est-à-dire tous les campements informels, auto-organisés par les migrants, qui sont un petit peu le bout du processus, si on veut, et qui ne sont pas des lieux de contrôle institutionnel et policier, mais qui résultent de l'absence de lieux de prise en charge pour les migrants. Voilà, donc ça c'est un des aspects du renforcement des contrôles, on en a des tas d'autres. Il y en a des tas d'autres. Si ça vous intéresse, vous pourrez regarder le travail d'un réseau qui s'appelle Migrants Europe, et qui a justement principale activité d'essayer de recenser les lieux d'enfermement et de les cartographier. Donc c'est accessible sur internet, il y a une carte des camps. Et c'est très difficile d'arriver à répertorier ces lieux. D'abord parce que les autorités nationales ne veulent généralement pas communiquer dessus. Et là aujourd'hui j'ai essayé de compléter une carte sur le sujet et on s'arrache les cheveux pour trouver les informations. Donc les autorités ne veulent pas communiquer dessus. Ensuite, il y a quand même une grande instabilité dans ces lieux qui ouvrent, qui ferment en fonction des circonstances, en fonction des besoins, en fonction des moyens. Donc les autorités, parfois à l'échelle même d'un pays, c'est pas toujours évident de savoir exactement quels sont les lieux qui fonctionnent réellement, qui existent réellement. L'autre élément qui rend le recensement de ce type de lieux compliqué, c'est tous les lieux informels qui sont utilisés, alors qu'officiellement ils ne sont pas destinés à ça. Et ce que ce travail de recensement par Migrants Europe a montré, c'est que oui, il y a eu une grande diffusion de ces lieux d'enfermement avec l'élargissement européen. Et donc on voit bien comment tous les nouveaux États membres en fait, ont mis en place des centres de rétention, des zones de transit aux frontières, d'autres types de lieux, avec l'entrée dans l'Union européenne. Et voilà, et comment ça se diffuse sur tout le pourtour de l'Union européenne, en fait. Voilà. Donc oui, je pense qu'il y a 15 ou 20 ans, les trajectoires migratoires n'étaient pas aussi... ce qui est intéressant quand on travaille justement, quand on fait du suivi de migrants plus sociologique, c'est qu'on voit bien que les trajectoires migratoires ne sont pas du tout linéaires. Bon, ça, encore, c'est une chose. Mais que, de plus en plus, elles sont en fait articulées au passage dans des lieux d'enfermement. Et moi, pour avoir suivi des trajectoires de migrants en Roumanie pendant 2 ans ou 3 ans, je voyais bien qu'en fait, ils étaient dans des espèces de boucles et de circuits fermés, où en fait, ils étaient passés en Roumanie, puis ils étaient arrivés à repartir, et puis ils s'étaient fait arrêter en Belgique, puis ils s'étaient fait ramener en Roumanie, puis ils étaient repartis, sans parler de tous les transferts à l'intérieur même d'un pays. Et donc, en fait, on est dans des espèces de boucles sans fin qui sont dues au fait qu'une fois que leurs empreintes ont été prises, chaque fois qu'ils se font réarrêter, eh bien, on les renvoie au point de départ, en quelque sorte. Voilà, donc il y a des impacts très très forts sur les trajectoires migratoires qui, en fait, maintenant sont en partie des trajectoires d'enfermement, puisqu'elles sont ponctuées par ces lieux. Et puis la dernière chose qu'on peut dire là-dessus, c'est que du coup, une bonne partie de ces déplacements sont des déplacements qui ne sont contraints, qui ne sont pas libres, puisque lorsqu'on est pris dans un accord de réadmission ou une procédure Dublin, eh bien on se fait renvoyer sans l'avoir voulu, donc c'est une étape de plus dans la migration, mais qui est une migration contrainte. Et ça, quand on suit ce type de trajectoire, on voit bien que la migration, une fois qu'on est rentré dans l'espace européen, est en bonne partie une migration contrainte. Voilà. Est-ce que vous avez une hypothèse particulière concernant votre nouveau terrain d'étude,
qui visiblement est les tragédies migrantes en milieu rural, si j'ai bien compris. Est-ce que vous avez une hypothèse de départ déjà, ou est-ce que c'est... je ne sais pas. Non, on n'a pas d'hypothèse, comment dire, attendez, j'essaie de retrouver le fil directeur du projet. Dans une phase un peu exploratoire. Oui, on est complètement dans une phase exploratoire. C'est sûr, mais disons que le point de départ, c'était que aujourd'hui, disons qu'il y a une incitation à développer l'hébergement, la prise en charge des demandeurs d'asile notamment, mais pas seulement, en dehors des grandes métropoles. Et donc l'idée, c'était de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté politique-là, et surtout comment ça se traduit éventuellement sur le terrain. Non, ça ne se traduit peut-être pas sur le terrain, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, l'expérience des CAO semble montrer qu'il y a, si, il y a quelque chose qui se passe en milieu rural. Voilà, mais disons que la spécificité de ce projet, c'est de croiser des approches centrées sur l'immigration et d'autres centrées sur les questions rurales, de développement rural spécifique. Donc, qui, en l'occurrence, ce sont des collègues qui sont spécialisés dans le développement rural, et de voir comment, en fait, à différents niveaux, les questions migratoires et rurales se croisent. Alors, il y a la question de l'accueil des demandeurs d'asile, mais il y a aussi la question du développement de certains secteurs agricoles qui vont reposer sur la présence d'agriculteurs, de personnes qui sont dans des exploitations agricoles en étant venus de l'étranger. Donc, il y a plusieurs niveaux de croisement comme ça. Il y a la question des saisonniers agricoles aussi. Voilà. Merci. Oui, moi j'ai beaucoup, pour revenir à la première action qu'on a eue sur le film, j'ai beaucoup apprécié que ce soit des images, des informations, sans commentaires, qui parlent d'elles-mêmes déjà. Tout ça c'est très important. Et quand ces gens parlent, surtout à la fin, ils parlent pour dire des choses intelligentes. Du genre, il y en a un qui me fait presque un cours d'économie, là, en trois phrases, hein, quand il dit, ben, écoutez, Si on vient chez vous, on n'est quand même pas tout à fait couillon, et ça va faire de l'emploi, ça va faire de l'activité économique dans des pays qui n'ont même pas de renouvellement démographique, etc. La manière dont ils parlent aussi de ce qu'ils ont dans la tête pour résister, pour arriver à s'en sortir, et de très belle façon. Cette dernière séquence est vraiment tout à fait quelque chose. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que vous venez de nous expliquer que les migrants, il y en a partout dans le monde. On est même migrant quand on va passer 15 jours en Tunisie ou je ne sais pas où, de toute façon. Mais par contre, on est en train de vivre une petite expérience, ma femme et moi, en essayant des gens. Et c'est tout à fait modeste et on a beaucoup de chance et ça réussit bien et on est presque aussi plus ravis que eux, si on peut dire. Mais à un moment, j'ai quand même dit à mon épouse, parce qu'on se demandait pourquoi ils étaient là et si vraiment ils avaient des raisons valables. Ce n'est pas du tout le genre de migrants qu'on a vu, disons que c'est des gens du Kosovo. Mais après tout, le Kosovo, pourquoi ils ne sont pas restés chez eux, quoi. Est-ce que ce sont est-ce qu'ils ont le droit d'être des migrants? Voilà. Mais honnêtement, c'est un débat. Et j'ai répondu à ma femme, écoute, je pense que s'ils sont migrants, c'est qu'ils en avaient vraiment besoin. C'est-à-dire que on a quelquefois du mal à réaliser que lorsque les gens ont traversé à pied le Sahara, parce qu'il y en a qui sont, pour qui la migration, c'est pas simplement la traversée de la Méditerranée. Hein. Donc ces gens qui ont fait toutes ces... cette démarche et qui ont eu tout ce courage, etc., je crois qu'ils méritent leur rentrée dans notre civilisation. Je voulais savoir si pourquoi l'image qu'on a en France, c'est que les migrants vont vers l'Angleterre, ou est-ce que c'est une construction? Non, c'est assez vrai pour tout un tas de raisons. Par exemple, lié au fait qu'il y a déjà des communautés très importantes qui n'existent pas forcément en France, par rapport aux migrations qu'on voit là, ces dernières années, par rapport à l'absence de papiers d'identité, facilité plus grande pour accéder au marché du travail. Après, il y a des effets de réputation aussi, et puis surtout, il y a des effets de réseau, c'est-à-dire qu'on ne part pas comme ça n'importe comment, les gens partent quand même
ou se font aider en cours de route. Donc les réseaux, c'est très important. Je ne parle pas des réseaux de passeurs, je parle des réseaux relationnels, de famille, de village. Voilà. Donc, non, non, c'est pas un mythe que l'Angleterre attire plus. Il y a la langue aussi. Oui, il y a la langue, oui, oui. Non, mais il y a plein de facteurs. On parlait de migrants économiques. On va arriver sur une autre échelle, qui est la migration climatique. Et là, c'est carrément autre chose, parce que une guerre, éventuellement, ça peut durer quelques années, s'arrêter. Il peut y avoir un retour des migrants dans leur pays. Là, si la catastrophe qu'on nous annonce et qui est bien partie va jusqu'à son terme, ça veut dire que pendant il n'y aura pas de retour en arrière dans certains pays. Donc là, il va y avoir des flux, peut-être. Non, mais je lis jamais de choses de prospective. Il y a probablement des travaux de prospective sur l'immigration, mais je ne les connais pas. D'abord, ce qu'on peut dire là, par exemple, à la question climatique, c'est que la question climatique, en fait, elle n'est jamais seule. Par exemple, dans la guerre en Syrie, on sait bien qu'il y a beaucoup de facteurs climatiques qui ont joué. Donc, aujourd'hui, les Syriens sont considérés comme réfugiés politiques, mais en réalité, il y a une dimension environnementale forte dans le conflit syrien. Donc en fait, c'est pour ça aussi que la notion de réfugié telle qu'elle a été définie en 1951 est discutée. C'est que là, aujourd'hui, on va se retrouver dans des situations de crise, enfin, où il y aura des fortes migrations, mais qui ne pourront pas être gérées avec cette approche-là de l'asile. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions sur cette notion, mais enfin, je pense que ce n'est pas demain la veille qu'elle va être remplacée par une autre. Enfin, il y a beaucoup de travaux pour réfléchir sur la question environnementale, la dimension environnementale des migrations et qu'en faire. Moi je n'ai pas de travaux de prospective, mais les choses sont évidemment compliquées. On sait qu'il y a aussi un développement de l'Afrique subsaharienne, qu'il y a aussi beaucoup de migration d'Afrique subsaharienne vers l'Afrique du Sud, par exemple, ou vers l'Angola. Donc les choses sont... il y aura peut-être un développement des migrations, mais pas forcément vers les pays... du Nord. Mais après, bon, oui, je pense qu'effectivement, il faut bien dire que ça ne peut que se développer. Non, mais c'est compliqué parce qu'il y a aussi les intérêts des pays d'arrivée. La situation en Allemagne était quand même en partie liée à l'état de la démographie allemande. Donc là, il y a des travaux d'économistes là-dessus sur comment, en fonction de la situation démographique, qu'est-ce qu'il faut favoriser comme type de migration. Et c'est pas évident, les réponses sont pas évidentes du tout. Parce qu'il y a l'âge des migrants qui compte, il y a leur niveau de qualification, il y a les difficultés à accéder à un emploi en dépit du niveau de qualification, puisque là, les personnes qu'on voit dans le film, ou que moi j'ai rencontrées sur mes terrains, sont des gens qui sont généralement qualifiés. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait quand on travaille sur l'immigration, ce ne sont pas les plus pauvres qui partent. Et ça, c'est. Voilà. Et quand on travaille sur ce type de terrain, on le voit bien. Sauf qu'en dépit de leur qualification, et une fois qu'ils sont arrivés à l'étranger, ils ne peuvent pas s'insérer sur le marché du travail aussi aisément que ça. Donc tout ça, ça joue. Pendant tout le film, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander où étaient les femmes de ces hommes. Ou les mères, ou les sœurs. Il y a quand même un maximum d'hommes, même s'il y a des femmes qui viennent. Donc si les femmes restent au pays, elles restent au pays dans les conditions que ces hommes ont voulu fuir. Non, alors d'abord, elle ne reste pas au pays, parce qu'on sait que c'est assez équilibré en termes de rapport de genre. Et donc à l'échelle des migrations mondiales, telles qu'on peut les connaître, on sait que les femmes migrent autant que les hommes. Après, là, on est quand même dans des types de migrations particulières, qui sont des migrations très très précaires, qui sont à pied, en bateau. Donc moi, par exemple, en 2009-2010, quand je travaillais en Roumanie, avant la guerre en Syrie, il y avait très très peu de femmes et de familles parce que c'était des trajets très dangereux, très compliqués. Et c'est vrai que c'était quand même beaucoup d'hommes relativement jeunes qui faisaient ça. Après, avec la crise syrienne, on a bien vu que c'était des familles entières qui fuyaient. Et moi, je me suis posé la même question, pourquoi on ne voit pas de femmes et d'enfants dans ce film, alors qu'ils sont présents, hein, on le sait. D'abord, je pense que... Enfin, je ne vais pas parler pour la réalisatrice, mais on fait aussi avec les gens qu'on rencontre. Voilà, elle n'a peut-être pas eu l'occasion de rencontrer des femmes, et ça peut éventuellement s'expliquer par le fait que quand même, dans les politiques de contrôle, il y a une attention un peu plus grande qui est portée aux femmes et aux familles, qui bénéficient, si
tant est que c'est, ça soit possible, d'un traitement un petit peu meilleur. Donc il y a des catégories de personnes qui sont considérées comme vulnérables, qui vont par exemple bénéficier d'un hébergement alors que les hommes seuls n'en auront pas. Par exemple, hein, prendre le cas des jeunes Afghans, si ça avait été des jeunes Afghanes, elles seraient peut-être dans un foyer. Voilà. Donc il y a une prise en charge des femmes et des familles qui est un peu différente et qui explique que les hommes seuls sont souvent dans des situations encore plus précaires. Oui, parce que dans les silhouettes, on voyait... Oui, il y avait des femmes en famille. Oui, oui. Non, mais ils passent en famille aussi, hein, surtout là, depuis ces dernières années, c'est des voyages en tournée. Mais voilà, je pense que c'est lié à la fois au fait qu'il y a une prise en charge un petit peu meilleure des femmes et des familles, et puis au fait que bah, quand on fait ce type de travail, on fait aussi avec qui on rencontre, qui veut bien nous parler. Do this to me. I love him.